Amis viewers, bonjour et bienvenue pour les suites de l'aventure sur Freeman Guerrilla Warfare. Warfare. Oh, je suis trop bon en anglais. J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment qu'on... Qu'est-ce que je fous là? Ah oui, j'ai changé de patelin, j'avoue. Alors, ça doit être... Ouais, c'est ça, c'est là, il y a le pont à traverser. J'aimerais vraiment vous montrer des batailles de sièges et tout, mais... C'est trop tôt, hein. C'est trop tôt. D'accord. C'est trop tôt, donc on va continuer à XP nos troupes, bien sûr. Standing by. Standing by. In position. Ok, ça marche. Petite bataille nocturne, là, ça fait toujours plaisir. Petit clavier en QWERTY, ça fait toujours plaisir. Alors, niveau balle, j'ai 4 chargeurs. Ok. Hop, je fais le tour des flingues pour qu'il les charge. Ah, il est les armes à chaque... Ok. Il va tranquillou. On a 36 adversaires à bourrer. Nous, on est 45. 45, rouge, impérialement. Target in range. Ouais. Ok. Ah, je vois tellement rien. J'en ai kill 1. Et le viseur qui danse la gigue. Ouais, target destroy, ouais. Ça bouge ou pas ça? Ça bouge pas, c'est en train de tomber. Mais... Ok, 45 contre 27, donc ça s'est super bien passé. Quoi? Et j'ai perdu un gars. J'ai mis deux balles, je l'ai pas tué quoi. Pas touché. Target destroy, 26 de restante. Wow, elle a tapé dans mon casque ou quoi celle-là? Elle a tellement sifflé fort. Je crois qu'il est tombé, ok ça marche. 14 adversaires encore. Encore 14 adversaires, est-ce que tout le monde est là par contre? Non, il est celui-là. Ah ouais, bah ouais, c'est ça aussi que ça va pas. Faut que je sois beaucoup plus attentif hein, sur les escouades. Ah, les mercenaires ils sont 7 sur 8, c'est-à-dire quoi? Il y a un blessé et un mort, c'est ça? All clear. Ça c'est dommage, hein. Les combats ont tendance à durer en longueur inutilement. L'inutilité la plus totale. Regardez ce nombre de troupes là. Ah, ça commence à devenir cool quand même. J'ai hâte d'avoir des troupes un peu plus
Là, des lance-roquettes, des conneries comme ça. Et à mon avis, ça va être rigolo. Ça, et puis les airstrikes. On devrait les retrouver dans ce coin-là, je pense. Tant que je fasse pas de conneries, ouais. C'est encore plus à gauche. Il y aurait des ennemis là-bas? Order received. Affirmative. Ça m'étonne un petit peu. Attends, ils vont où? Et tout droit. Tout droit, on a un spot d'ennemis normalement. Un spawn. Ok. A priori, ceux-là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de... Hop. S'il n'y a plus d'aura rouge, normalement, c'est que c'est vide. Moi, je vais continuer à courir comme un asthmatique. Ah, pour le coup, c'est bien roleplay, hein. Je joue mon propre rôle de coureur asthmatique. Tu me fous un pactage militaire, tu me fais courir 10 mètres, je meurs, moi. Ok, tout droit, tout droit. Ça m'étonne un peu qu'on se retrouve avec un groupe d'ennemis là-bas. C'est ma zone de départ, quand même. Ça tire. Est-ce que c'est là-bas? C'est là-bas, il y en a 3. Je sais pas s'il y a tout le monde. Target destroyed. Target eliminated. Target in range. Men down. Hold them off. Ça a l'air bon, hein. Ça a l'air bon. Ça va, il me dit qu'il en reste un, mais la zone est toujours rouge. Il est là. C'est bon. Bon, par contre, 4 pertes quand même. Pas cool ça. Pour les trucs les plus chers, bien sûr. Et de la bouffe. Bandit ou looter, oui, bah, je les emprisonne tous. C'est des troupes de merde, hein. Puis, bah, je sais pas si ça va faire bien dans mon armée, donc je préfère pas les. Je préfère pas essayer de les récupérer. Non, non. Lui, il va se soigner tranquille, lui aussi. Lui, on lui donne un petit renfort. Je claque toute ma fortune, hein, bien sûr. Alors, ouais. Bandit et lui, armored maraudeur. Ouais, je sais pas. Bon, on va les garder, de toute façon, j'ai rien pour les remplacer pour le moment, mais... je sais pas. Ok. Hop, on continue à retourner vers Antopil, c'est ça. Il nous faut encore une escouade de bandits à tuer, c'est bon.
Standing by. Get down. On va rester là. Les flèches, elles se comment dire, les flèches, elles arrivent à peu près vers moi en fait, donc je suis où? J'arrive par là. Parce que le fait d'avoir des mecs qui ont spawn vraiment à mon spawn en fait, ça me dérange un peu. Je me dis si ça se trouve, il suffit de les attendre, ils vont venir se fracasser sur moi quoi. Opening fire sur quoi? On les détecte aux flammes quoi. Sans les flammes. C'est peut-être un cadavre ça. Je vois pas trop ce qui se passe. Alors. Ouais. Attention ici, toi. Fire at will, ouais. Y a pas un truc. Ouais, proceed with caution. On est déjà en proceed with caution. Proceed with caution, en fait, ça va faire que. Ils vont avancer un petit peu. Une fois qu'ils ont avancé, ils s'allongent. Hop, ils avancent un petit peu, etc. etc. Attendez, si on les met en charge, ils courent comme des dératés jusqu'à l'objectif. Ouais, yes. J'ai touché 87 en précision. On se fait rafaler de ce côté-là. Hein. T'as eu de la chance, toi. J'ai touché, ça devrait... Oh oui! Ça devrait certainement les attirer. Bon, écoute. Hop, authentic combat. Et normalement, on sait à peu près où ils sont, donc ils devraient se diriger dans la bonne direction, j'imagine. Attack formation! Attack formation! Non mais... Ah c'est débile, je vais essayer de m'allonger, là je me joue juste pour moi. Ouais. Hein, on va dire ça parce que bon... Je suis pas trop d'accord. Bon, normalement ma quête est terminée, on va pouvoir retourner à Antopil. Récupérer 5 000 $, donc ça va nous faire passer à 13 000 $. 13 000 $, il y a peut-être moyen d'avoir un petit... Un petit flingue sympa, je pense. Partie. Il n'y a rien de vert, donc je pense pas qu'il y ait de level up. Ouais. Donc ça va, l'IA n'attaque pas, en fait. On est encore dans une version approximative du jeu. Weapon Dealer. Mais bon, ils sont obligés de faire ça parce que le jeu est pas super équilibré. Là, vous voyez bien qu'il y a des armées, mais elles me rouleraient dessus en moins de 2 secondes. Donc, s'ils étaient trop agressifs, le jeu serait pas jouable. Tiens, Vector.
Ah, moi je veux lui, mais marksmanship, j'ai pas 12, quoi. Les pantalons. Ok, c'est bien ça, ça fait pas mal de thunes. Bon, l'armure en Kevlar, évidemment, je vais me la mettre. Hein. Par contre, ma quête n'est pas terminée alors. Oh là là, je crois que j'ai été trop long à faire la quête et elle a été cancel. Ah ouais. Alors, ça remplacerait ça peut-être, non? Ah non. Alors, armure 23, armure 33, ok. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Bon, par contre, ouais, faut changer le casque. Ouais, le pantalon 6 d'armure, je pense qu'un changement s'impose aussi. Ah, je peux prendre un RPG en plus du reste. Oh. Et ça, c'est un Makarova. Merde, je pensais que c'était un 1911. Oh. Mec, ils ont des vestes de combat, quoi. Black vest, ah ouais. Ouais, vous avez pas besoin de moi, en fait. Je voulais les stuffer, mais ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que je voulais regarder, ici? Nouveau contrat, peut-être? Kill Bandit, Train Sol, c'est quoi, ça? C'est pas bien. Ah ouais! 28 800 deniers. Ah oui. Ah, vu comme ça, je vais peut-être la prendre, en fait. Tu lui traînes 4 soldats, tu gagnes 30 000 balles. Eh, hey, ils savent me parler, quand même, hein. Qu'est-ce qu'ils foutent? T'es sûr que c'est par là, hein? Ouais. Bon, ils ont l'air à peu près décidés, c'est bon. Moi j'ai une nouvelle armure, mais j'ai toujours pas de nouvelle arme, c'est un peu triste. Je suis tristesse. On devrait tomber dessus, hein, normalement. Peut-être sur la gauche, mais on devrait tomber dessus. Oh, le petit hoquet qui ne prévient pas. Quand tu veux, Roger! Bon, bah c'est bien. Ah putain, il y a une autre flèche rouge là-bas. Ok, ça y est. On a mis la main dessus. Bon, ça va aller vite, hein. Le temps que je reprenne l'enregistrement, ils en ont perdu 3 sur 7. Ils sont en face ou... Ah, et chier, ils sont de l'autre côté, bordel. J'aurais pas le temps d'en voir un seul, je pense.
Je sais même pas si ce que j'ai vu c'était un adversaire. Merde, j'ai fait. Hop. On emprisonne. Donc. Bon bah sur ce les amis, je vous laisse là pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette petite vidéo pour faire connaître le jeu, ce sera cool pour eux. Des bisous et à demain.